Le prince Harry devrait faire son retour en Angleterre, pas ce n'est pas pour voir la famille royale britannique. En effet, le duc de Sussex devrait faire la promotion de ses mémoires explosives. Le prince Harry devrait se rendre de nouveau en Angleterre. Mais la raison de ce voyage ne va certainement pas faire plaisir aux membres de la famille royale britannique. En effet, le duc de Sussex souhaite promouvoir son autobiographie, baptisée Spare. Une venue qui pourrait lui faire perdre ses titres royaux, à lui et à sa femme, Meghan Markle. Pire encore, selon certains experts, le prince Harry devrait s'envoler pour la Grande-Bretagne pour le Nouvel An afin d'évoquer son livre, ce qui devrait largement gâcher les fêtes de fin d'année des Windsor. Outre-Manche, les nombreux experts de la famille royale britannique expliquent que tout le clan se prépare à la publication des mémoires du prince Harry qui sortiront le 10 janvier 2023. Le biographe Tom Bower a averti que la réception des mémoires serait un moment décisif pour les Sussex. Une source a déclaré au Sun, le livre a fait des allers-retours entre Harry et l'écrivain fantôme, Junior Moiringer et les éditeurs à quelques reprises. Mais il y a eu des va-et-vient supplémentaires que les gens ne connaissent pas. Si est-ce parce que les éditeurs voulaient plus de détails sur certaines choses qui étaient déjà incluses. Il y a une réelle inquiétude que cela signifie que Harry a dû sexuer le livre et inclure des révélations avec lesquelles même lui pourrait ne pas être aussi à l'aise. Le roi Charles III aurait tout fait pour que les mémoires de son fils ne soient pas publiées, le sujet d'inquiétude le plus profond pour la famille royale britannique. Si est bien évidemment le sujet autour de la couleur de peau du petit Archie. Les éditeurs Penguin Random House affirment que le livre est écrit avec une honnêteté brute et sans faille et devrait contenir de nouveaux éléments explosifs traitant de l'enfance de Harry et de sa rupture avec The Firm après avoir rencontré Meghan. Le livre est bien pire que ce que les gens pensent. Ce livre est vraiment décisif. J'imagine que le roi Charles a été prévenu que toute représaille ne serait pas jolie. Ainsi le roi Charles III aurait tenté de tout faire pour convaincre son fils de ne pas publier ses mémoires. Tout ce que le roi Charles peut vraiment faire, si est-il de retenir les titres de ses petits-enfants Archie et Lilibet. En fin de compte, je suppose qu'il pourrait également retirer les titres de Harry et Meghan, mais si est-il assez radical. Une autobiographie est de graves conséquences en effet, les titres royaux du couple seraient clairement en jeu. Je ne sais pas ce qu'il peut faire d'autre. Si est-il aussi grave que je le pense, alors Harry et Meghan sont devenus des voyous. En plus de leur enlever leurs titres royaux, tous les liens avec le couple pourraient aussi être rompus. Le prince Harry devrait raconter lui-même sa version. Une source proche du prince Harry a déclaré au Télégraphe que le duc de Sussex avait écrit ses mémoires controversées pour lui-même, plutôt que d'être un démantèlement de sa famille.